Salam alaikum la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette fait maison avec le Thermomix qui est la glace aux fruits rouges. Donc, vu la canicule et qu'il fait très chaud, il vaut mieux manger les choses fraîches. Et voilà, j'ai décidé de vous faire une glace aux fruits rouges. Donc, pour les ingrédients, il faut du sucre vanille, un œuf et des fruits congelés. Donc si vous avez des fruits frais, les congeler pendant 24 heures, les éplucher, les couper et puis les laver et les mettre au congélateur pendant 24 heures. Sinon, achetez des fruits congelés en magasin comme j'ai fait moi. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Là, nous allons commencer la recette avec 60 g de sucre. Donc, je vais peser, mettre 60 g de sucre. Voilà. Voilà les 60 g de sucre. Ensuite, j'ajoute le sucre vanille. Il faut 10 g. Voilà. Je vais mettre à tourner. Je vais mettre à tourner le sucre et le sucre vanille à vitesse 9. 10 secondes à vitesse 9. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. C'est une recette que j'ai fait moi. Vitesse 9. J'en mets un peu partout. Voilà. Ensuite, il faut rajouter 500 g de fruits rouges et un blanc d'œuf. Là, je vais rajouter les fruits rouges congelés, bien sûr. Il faut au moins 500 g de fruits rouges congelés. Voilà, 500 g. Ensuite, il faut mettre un blanc d'œuf, donc avec le sucre qui est devenu sucre, sucre glace, les fruits congelés plus un blanc d'œuf. Voilà. On va mélanger le tout 50 secondes pendant. Je vais mélanger pendant 50 secondes à vitesse 10 et prendre la spatule pour tourner, mettre là-dedans et tourner en même temps après. Donc 50 secondes. Il y a la petite qui est derrière, hein, qui s'accroche à moi. 50 secondes, 10. Et voilà le résultat de la glace. Donc, je vais mettre tout ça dans une coupelle et vous montrer la suite de la glace. Et voilà le résultat de la glace aux fruits rouges fait maison au Thermomix, accompagnée de quelques petits gâteaux. C'est une glace facile à faire et rapide, rafraîchissante pour cet été, vu les chaleurs qu'il fait en ce moment. Et à manger en dessert ou à 4 heures. Donc moi j'ai mis dans une petite coupelle que je ne vais pas tarder à mettre au congélateur. Vous pouvez faire avec des fruits frais, congelés la veille et puis faire la glace le lendemain. Donc je vais mettre tout ça au congélateur et je vous dis laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, un pouce bleu et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous tout le monde!